Hippity hoppity, hippity hoppity, hippity hopping over hill and dale. Da-d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 a. Hippity hopping along. Si je vous demande ce que les hommes ont laissé sur la Lune, il y a de fortes chances pour que vous me répondiez un drapeau américain, ou des empreintes de pas, ou même un peu de matériel technique. Et vous auriez raison, bien que pour le drapeau, il n'y en ait pas un, mais six, plantés au cours des différentes missions Apollo. Et ils ne sont plus vraiment américains, vu que les températures très rudes de la Lune et les rayons ultraviolets les ont sans doute rendus complètement blancs. En ce qui concerne le matériel abandonné, il y en a, et pas qu'un peu. Au fil des missions lunaires, l'humanité a laissé plus de 180 tonnes de matériel derrière elle, dont 3 jeeps, des dizaines de sondes et de modules, des caméras et des sacs de collecteurs de défécation. Autrement dit, un bon gros paquet de mais il y a au moins 5 choses qui se trouvent actuellement sur la Lune et dont je suis prêt à parier que vous ignorez l'existence. Voici donc 5 choses improbables qui se trouvent sur la Lune. Numéro 5, une statuette. En 1971, l'équipage d'Apollo 15 emportait avec lui une statuette de 8,5 cm de haut. Baptisée Fallen Astronaut, cette sculpture réalisée par l'artiste belge Paul Van Weedonk est la seule œuvre d'art présente sur la Lune. Elle fut déposée sur le sol lunaire à côté d'une plaque commémorative en hommage aux astronautes morts durant l'exploration spatiale. Numéro 4, des miroirs. Ou plus exactement, des réflecteurs lunaires. Ces dispositifs, qui ont la propriété de renvoyer la lumière dans la direction d'où elle vient, permettent de mesurer la distance entre la Terre et la Lune grâce à un faisceau laser. 5 réflecteurs ont été déposés sur la Lune au cours de différentes missions et 4 sont utilisés encore aujourd'hui. Pour information, la distance exacte jusqu'à la Lune est de 384 467 km. Numéro 3, les initiales d'une petite fille. Jusqu'à présent, 12 hommes ont marché sur la Lune et Eugene Cernan fut le dernier d'entre eux. En 1971, au cours de la mission Apollo 17, Cernan s'agenouilla dans la poussière lunaire et traça les lettres TDC, les initiales de sa fille Tracy. Sans atmosphère et à moins qu'on ouvre un complexe touristique sur la Lune, elle devrait y rester pour toujours. Numéro 2, les cendres d'un homme. Eugene Shoemaker était un géologue américain ainsi que l'un des pionniers de l'étude des planètes. Notamment connu pour avoir découvert la comète Shoemaker-Levy 9, il mourut dans un tragique accident de voiture en 1997. 2 ans plus tard, le 31 juillet 1999, une partie de ses cendres fut emportée sur la Lune par la sonde Lunar Prospector, dans une petite capsule de polycarbonate. À ce jour, Eugene Shoemaker est la seule personne dans l'histoire de l'humanité dont les restes reposent sur un autre astre que la Terre. Numéro 1, des balles de golf. Alan Shepard fut le premier Américain dans l'espace et le 5e homme à marcher sur la Lune. En février 1971, il devint également le premier golfeur lunaire, comme il l'avait promis à son père. A l'aide d'un club bricolé avec les moyens du bord, il tira 2 balles de golf. La rigidité du scaphandre l'obligea à jouer d'une seule main, mais selon ses dires, il envoya la deuxième balle à des kilomètres. À l'heure où je vous parle, les 2 balles sont toujours là-haut, quelque part sur la Lune. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la page. A bientôt! Jack Schmidt having a few problems.